Ouais, il est beau, hein. Oui, il est beau, il est jaune. C'est un skin. Parce que, en fait, on a une théorie, il s'adapte à la couleur de l'eau. Parce qu'on a des foncés dans les arbres. Oui, c'est vrai. Sur les palmiers et tout, ils ont souvent cette couleur. Mais là, tu vois l'arbre, déjà, il est... Mais oui, il est de la... Sauf la tête, toi, il s'est dit, bon... Mais si, c'est... Et hier, on a une démonstration, il est dans l'arbre, il était couleur fond. Il est descendu dans le sable, mais... Oula, oh là là, ça y est, attention, le seuil va sauter sur toi. Hein. Ah ouais, la queue, ouais. C'est... Ah ouais, ouais, on pourrait croire, si tu voyais que ça, que c'est un serpent. Ouais. Bon, ben, en vérifiant les roulements des roues de la remorque, j'ai pu apercevoir que j'ai encore un boulon qui a pété, voilà, et c'est celui-là que j'avais changé aussi, et il n'aura pas fait long feu. Alors pourtant c'est des écrous, c'est du, comment on appelle ça, c'est du 8.8, normalement c'est censé être solide, mais il n'a pas tenu. Après c'est des boulons filetés, il faudrait peut-être que je mette des boulons non filetés et filetés qu'au bout. Bon bah allez, c'est parti. Décidément. Ouais, je regardais le roulement des roues parce que j'avais un petit bruit. Je pense que c'est les freins qui touchent à un endroit et ça frotte légèrement. Un petit endroit, rien de méchant. Voilà, c'était juste pour surveiller les roulements au cas où. Pour voir si j'avais du jeu ou pas. Mais ça va très bien, mis à part ce petit bruit, mais c'est rien de méchant. C'est les freins qui doivent toucher légèrement. Et puis de toute façon, les freins là-dessus, je crois que j'ai plus rien. Je suis sur la ferraille. Donc c'est que Dyson qui freine. Donc ça, il faudra que je voie aussi pour qu'on change les freins. Et voilà, boulon enlevé. Voilà, comme d'habitude, il se pète au milieu. Putain, c'est pas possible. Ouais, mais je pense que là, on est peut-être un peu trop chargé et ça pète dès qu'il y a un trou, un topes, un peu violemment. Voilà, bon, mais je vais le changer. Là, je me suis monté le châssis pour que je sois bien à l'axe des lames. Je pourrais presque l'enlever l'écrou pour après enlever la tige au marteau et au tournevis depuis ici là. Mais là je suis bloqué à cause de cet écrou. Ça tombe pile poil devant. C'est con quand même. Alors j'essaye de rentrer la tige feuilletée, de la faire glisser vers la droite pour enlever l'écrou plus facilement, mais j'y arrive pas. Tu parles, le boulon il est coincé quoi. Il bouge plus. Ah, il manque pas grand chose. Donc au final, je vais devoir encore couper ici pour enlever le boulon. Mais j'arrive pas, il est bloqué, j'arrive pas à le faire glisser à droite. Et pourtant, je suis bien à l'axe. J'ai bien monté le châssis, je peux pas mieux faire. On marque même en faisant ça, de toute façon, la tige, elle arrive ici. Ah non, j'aurais pas pu enlever la tige. De toute façon, si j'aurais pas eu assez de jeu. Bon, mais je vais devoir couper. Allez, c'est parti. Bon, allez, ça c'est fait, une bonne chose de faite. Et maintenant, on passe au sérieux. Un petit presidente. Presidente. Ah, elle est dure, oh. Oh, ah ben elle est neuve. Elle est neuve, non, elle est pas neuve. Il y a une autre. Qu'est-ce qu'on paye, il y a une bouteille. Ah, on l'a fini l'autre, hein. Bah ouais, la dernière, pas bien les évader, là. Donc là, on est à... Isla Aguada. Isla Aguada. Ouais, un truc comme ça, quoi. Un truc comme ça, quoi. Je retiens jamais les noms. Voilà, pas loin de la lagune. Là, c'est la lagune. La laguna. Et là, il y a un pont vers là-bas. Et derrière, c'est la mer. Voilà. L'océan. L'océan, pardon.
Exactement. Voilà. Donc là, il y a des dauphins qui viennent apparemment ici. Ouais, faut qu'on... Donc, on ira se baigner avec les dauphins si on peut. On va nager avec les dauphins. Oui, on pourra faire du canoë. Ouais, voilà, et puis on va visiter le village. J'étais un petit tunti. Voilà. On est plutôt pas mal. Bon, là, vous... Voilà, là il y a le linge. Et oui, parce qu'il faut faire le linge. Ah. Ouais. Ça, main, hein. Ça fait beaucoup de linge quand même, même si on là, fait attention. C'est la semaine, c'est le linge de la semaine. Pourtant, on se les garde une ou deux semaines. On se change plus. Mais... On se, se change plus, non. Non, mais c'est vrai que là il y avait du linge. Hein. Allez, zou. À la vôtre, les évadés. Alors, c'est un peu comme de la goutte, ça. Hein. Moins fort, bien sûr. Je sais pas ce que c'est exactement. Et nous, on le mélange avec du fruit. Et ça va très bien. Voilà. On va se laisser abattre. Hein. Non, mais dis donc, oh, hein. Ah ouais. Eh, oh, hein. Bon. Allez, un peu de jus d'orange. Synthétique. Ouais, 30% de jus d'orange. Le reste, je sais pas. Hop là, pas trop non plus parce qu'après ça va le noyer. Et voilà, il manque les glaçons, ça on n'a pas. Ouais, ah, ça n'a pas de glaçons, voilà. Et Nana qui dessine. Ouais, c'est joli. Elle a laissé sa voiture Fast and Furious. Elle va super vite. Elle dépasse depuis loin. Ah. On ne te voit pas derrière. On dirait que tu as été pris par un filet. T'es puni. T'es puni, là. Ah. Il est puni, Lizzie. C'est mis là. Allez, à la tienne. Chine. Santé. Santé, les évadés. On va désinfecter les moustiques. Ouais. Bon, ouais, c'est clair. Fois, parce que là, il n'y a plus de moustiques, mais là où on était, il y a des moustiques. Santé, les évadés. Allez.
Regardez comme il est énorme. Oh, mais il y a le chat hein, aussi. Fais gaffe, pas. Oh, mais il y en a partout. Oh. Lui aussi, il a le truc qui pointouille. Oh, oh. Oh là. Ah, ouais. Salut toi. Ah, il est toujours caché. Ah oui, ça va vite, hein, oh. Regarde. Ouais. Ça va, il n'est pas trop sauvage. Il me regarde avec son petit œil là, sur le côté. Ah, c'est terrible. C'est marrant ce qu'ils ont en bas là, la mâchoire. Hein. T'as vu? Vous voyez les évadés là, ici là. Hop. Une espèce de boule ici, en bas la mâchoire. Avec une jolie crête. Une crête dessous, ici, sous le menton. Je sais pas si vous voyez. Non, non, il bouge pas, j'essaie de m'approcher un peu plus, mais... Oh ben mon petit, il sait pas trop quoi faire là, il hésite là. Ah ouais, ouais, ben lui il voit à 360 degrés lui. T'as vu la peau, on dirait les... Ah ouais, t'as vu les pattes là? On dirait qu'il s'est mis un costume, hein. C'est vrai. Hein. On dirait un vieux pantalon des années 70 en cuir ou je sais pas quoi là. Ouais. Il est musclé, hein. Ah, il commence à ouvrir son truc dessous, là, sous le menton, là, il a comme un... Ouais, il a comme un drap, là, tu sais. Ah, ça s'écarte un peu, tu vois. Voilà, j'essaie de le faire réagir un peu pour voir... Mais il a pas peur, quand même. Hein. Il a l'habitude, ici, remarque, dans le parc, avec le monde qui passe. Hé, mon coco. T'es beau, hein. Bon allez mec, je te dis à plus, à la prochaine. Hein? Je vais te laisser tranquille. Hein? Allez, moi je dois y aller. Je te laisse. À une prochaine fois peut-être. Oh, tu t'en fous. Regardez la queue qu'il a derrière. Mais j'ai pas envie de le brusquer, j'ai envie de le laisser tranquille. Voilà. Tranquille, tranquille. Regardez les évadés, nous arrivons dans un cimetière. Alors c'est pas du tout le même délire qu'en France. Hein. Vous avez vu, c'est... Ah, c'est moins austère, hein, ça c'est sûr. Hein. Vous avez toujours ces fresques sur les murs, colorées. Et là, nous arrivons dans un cimetière. Ah, c'est marrant, ils ont mis des têtes. T'as vu ? Incroyable. Ah, c'est un délire. Hein ? Allez, je vous montre ça. Regardez à l'entrée, des têtes mexicaines. Et vous allez voir, c'est aussi coloré dans les cimetières. Bon, ils font avec les moyens hein, qu'ils ont. Ah, c'est un autre délire. Hein ? Voilà à quoi ça ressemble un cimetière mexicain. Alors ils dessinent dessus, c'est des blocs en béton, hein, des tombes en béton hein, qui peignent. Alors par contre ils sont très forts au niveau du... Comment on appelle ça là, du dessin. Tu sais les écritures et tout ça. Ah oui, ils peignent. Voilà. Le métier peintre en lettres, c'est ce que je voulais faire quand j'étais jeune, mais comme en France tout est passé en signalétique adhésif. Mais je ne l'ai pas fait, mais j'adore
tout est écrit à la main, enfin, c'est peint à la main sur les murs, même les pubs sur les magasins, tout est peint à la main et moi j'adore. Ouais, moi aussi j'adore. Les écritures à la main. Voilà, c'est vraiment. C'est un art, hein, faut. C'est un art, c'est, faut super, j'adore ça. Et dans les magasins, c'est pareil, il c'est, n'y a pas d'affichage numérique et imprimé. Une bougie à du c'est un métier. Hein. C'est une bougie à du alors, il y en a certains, c'est carrelé. Carrelé, peint. Aïe! Qu'est-ce qui est rentré? Oh non! Ah, une épine! Ça fait mal! Ah, c'est tout un art, hein? C'est joliment écrit. Et dans les magasins, je vais vous montrer aussi les évadés, c'est pareil, quoi. L'affichage, c'est la même. C'est encore plus joli. Oui, oui, oui. Parce que c'est plus... ouais. Là, on voit que c'est la famille. Enfin, non, celui-là est bien fait. Celui-là est bien fait. Là, c'est la famille qui écrivent, donc on voit, il y a les traits de crayon avant. Mais dans les magasins, c'est super bien fait parce qu'ils ont leur logo et tout ça, avec des dessins. C'est joliment fait. Ouais. Tout à la peinture. Ouais, ouais. Hein. Je vous montrerai ça, ouais, dans les magasins. Bon, vous avez dû peut-être apercevoir dans les vidéos déjà. Hein? Ouais, ça faisait un peu tôt. Ouais. Il est quelle heure? 10h. Parfois, ils te proposent pour aller manger dans leur resto ou pour aller boire un coup, mais là, il est 10h. Donc, c'est vrai qu'ici, ils mangent à partir de cette heure-ci, mais nous, ça fait un peu tôt. Moustique. Ils sont trois. Oula. Thank you.
Ouais, ça bouge. Ouais, ça bouge. Regarde, t'as des moustiques. Ah, ah, ça fait défensif. Ah, ah, désolé, il y a trop de moustiques. Ah. Bon, désolé, j'ai pas pu rester avec les singes hurleurs là. Parce que beaucoup de moustiques, il y a un étang un peu plus loin et il y a énormément de moustiques. Donc je reviens au campement parce que là, je me suis fait piquer dans tous les sens. Bon, désolé, j'ai pas pu rester là-bas parce que je me faisais attaquer par les moustiques, ça me piquait de partout. Donc j'ai pas pu les filmer trop longtemps, les singes hurleurs. Voilà, et là on est, je suis revenu au campement, et là je suis en train de filmer avec le caméscope de ma fille. Voilà. Et là, il y a beaucoup moins de moustiques. Mais je pense que ce soir, on va allumer un feu pour faire partir ces moustiques aussi par la même occasion. T'as vu comment il crie? Oui. Comment il hurle? T'as vu papa, comment il hurle là? Dans les bassins, tu vois les bassins, ouais, qu'il y a à l'image, ouais, il y a d'autres animaux, mais il y en aura plusieurs, on ne sait pas quand ils vont. J'en ai vu. Eh bien, faut que je vois. Là, on a vu quelque chose de passer, ah, de petit. Ah, non, là, c'est des très grands dans le modèle, ils montrent sur la piscine. Ah, oui. Alors les évadés, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est ces choses qui brillent dans la nuit par terre? Alors je ne sais pas si vous voyez, là je suis avec la lampe frontale, il faut vraiment la voir sur le front, au-dessus des yeux pour bien voir ces choses qui s'illuminent un peu partout sur le terrain. Alors je ne sais pas ce que ça donne en vidéo, là j'ai zoomé, voilà, il y en a vraiment partout, à l'œil humain, on en voit beaucoup plus, mais déjà sur le portable, on peut les apercevoir. Et quand on s'y approche, eh bien c'est tout simplement des araignées. Voilà, on est entouré d'araignées. Alors ça va du plus petit au plus gros. Alors, tout ça c'est des araignées qui sont autour de nous, partout, il y en a partout, partout, partout. Regardez là, on voit, là si je bouge un peu la lumière, vous allez les voir scintiller un peu. À l'œil humain, on en voit un peu plus, sur la vidéo c'est pas terrible, mais il y en a partout. Alors je vais vous en montrer une bonne, alors regardez ici là, il y en a partout. Hop, alors. Voilà, par exemple là il y en a une, hop là. C'était laquelle? Ah oui, il y en a une qui était pas mal. C'était laquelle? Là. Attends. Est-ce qu'elle y est? Là, mais t'as pu y être, là, tu parles. Là, les grosses araignées. Hop. Donc là, il y en a une autre ici. Voilà. Cela, c'est un gabarit moyen. Hein. Voilà, je vous dis, ça va du plus petit au plus gros par rapport à mon doigt. Je vous montre. Voilà. Elle est juste là, à côté de mon doigt. Donc il y en a partout. Regardez là-bas, je vous montrerai là-bas. Attends. Oh là, il y en a une belle. Là, elle est pas mal, celle-là. Allez, je vous montre, les évadés, regardez. Coucou! Regarde ça là, c'est les belles. C'est moi la lumière. Oh. Regarde ça là. Aurélie. Maman, viens voir. Regardez par rapport à mon doigt. Et il y en a partout, partout. Ok les Mimi. Regarde, c'est les pas Mimi, ça là. Aurélie. Ouais. Viens. Viens voir la jolie petite araignée. Non. Elle est grosse. Tiens, on va regarder ses yeux là. Regarde ses yeux. T'as vu? Je m'attendais pas. Regarde, alors, viens, t'es déjà prêt en photo. Ah oui, maman. Tiens-moi comme ça. Il est pas comme ça, bouge pas. Elle est trop mimi. Elle est trop mimi. Elle a une barbe comme moi, regarde. Ah ouais. T'as vu? Ah oui, d'accord. Elle a deux barbes. Non, la gueule. Regarde, j'ai pris des photos. Ah, voilà. Tu fais un portrait. Attends, t'éclaires pas assez là. Éclaire pour là, tu t'éclaires pas assez. Elle bouge pas. Vas-y, éclaire. Hein? Sur elle. Pourquoi elle bouge pas? Regarde. Oh, on la voit bien là. Ah ouais?
Regarde, elle a deux barbes. Oh la gueule. Double. Hein? Pourquoi elle a deux barbes? Ah, on va bien. Oula, oh, du saumon. Oh. T'énerves pas trop, hein. Oh, oh. Ah ouais, c'est une sale gueule quand même. Hein? J'ai peur. Regarde la tête. Éclaire bien. Ouais. Regarde la tête. Oh, dis donc, la gueule. Elle est pas contente, dire. Ah. C'est clair. Et bonjour les évadés. Aujourd'hui, nous allons visiter un site archéologique. Ouh. Les pyramides s'appellent. Mais alors, Bécan ou Bécan? Bécan. Je pense que c'est Bécan, oui. Bon. Ouais, voilà. Enfin, les pyramides de Bécan. Il y en a plein là dans le secteur où on est. La plus connue, normalement, c'est Calakmul. Tout le monde va là-bas, c'est dans la jungle et tout ça. Et ce site n'est pas trop connu, en fait. Il y en a plusieurs autour où les gens visitent très peu. Et d'ailleurs, bah, on est quasi les seuls. Hein. Sur le parking, il n'y avait pas grand monde non plus. Et il n'y a personne là. Et c'est ce qu'on veut, nous. Nous, on ne veut pas trop de sites touristiques. Voilà, qu'il n'y ait pas trop de monde. Voilà. Surtout que des sites comme ça, il y en a plusieurs. Voilà. Bon, il y en a peut-être là, des mieux que d'autres, mais... Ouais. Et là, c'est 80 pesos par personne adulte. Ils ne comptent pas les enfants. C'est qu'à partir de 13 ans. Et franchement, on va voir, mais normalement, on peut monter sur toutes les pyramides. C'est pas comme à Teotihuacan où on peut juste les regarder. Là, on peut même grimper dessus, normalement. Donc, on va vous montrer ça tout de suite. Ah, mais attends, ça. Ah oui, c'est raide, hein. Ça, c'est raide, hein. Ah oui, oui. Ceux-là, ils sont raides, hein. Oh la vache! Ouais, ça rigole pas! Hein. Regardez comme ils sont raides, les évadés, les marches! Tu descends comme une échelle à l'envers! Ouais! Faites attention où vous marchez! Ouais, la descente, c'est vrai qu'il faut faire attention! Oh! C'est un mur, ah oui. Allez, nous prenons toutes les galeries qu'on peut prendre. Il y a des cachettes partout ici. Ah, tu me fais sauter? Ah non, tu me fais descendre. S'il te plaît. Oh, maman, s'il te plaît, maman. Oh, merci. Comme vous pouvez le voir, les évadés, c'est super raide. Hein? Allez-y, allez-y. C'est bien sur le côté aussi, comme ça, voilà. Ouais. Tu t'assures avec la main, et voilà. Ils attaquent, il y a un île, ils m'ont piqué partout là. Ouais, de je sais pas quoi. Non, c'est moi. Parti dans la tête. Je me suis fait défoncer par des. Comme des petits frelons. Ah là, c'est un moustique. comme des petits frelons. Il y avait un nid, un petit nid là. Elle est pleine de. Ouais, comme des petits frelons, je sais pas ce que c'était. Ça va. Là, t'es piqué là, là. Et ils m'ont piqué mais tout le crâne partout, c'est... mais en peu de temps, en 2-3 secondes, ils m'ont piqué c'est vraiment partout. C'est... Ouais, ouais, mais c'est impressionnant. C'est marrant, hein. Je les ai pas vus voler, je filmais le nid. Je voyais, bon, ils sont calmes, j'étais un peu éloigné, tu sais.
Et là, tout d'un coup, partout sur le crâne. À l'intérieur, là. Dans les cavités. Bon, ouais, ça a l'air d'aller, bon. Ça va. J'ai pas la grosse tête, c'est bon. Déjà que j'ai une grosse tête. Allez, on continue. Ça va. Je suis encore debout, c'est bon, on peut continuer. Du coup, j'ai regardé la vidéo et effectivement, on le voit bien venir et, ça n'est, et c'est qu'un. Un seul. Hein. Mais il m'a piqué une quinzaine de fois là, en deux ou trois secondes, quoi. C'est impressionnant. Alors imagine si tu reçois tout le nid, c'est à toute la... Non, ça va ? Non, c'est bon, c'était ta veine. Ah ouais. T'imagines s'ils sortaient tous d'un coup là, toutes les piqûres, non, tu peux avoir un peu de temps. Là, c'était qu'un, on le voit très bien sortir là, vous avez pu le voir dans la vidéo. C'est vraiment qu'un qui est venu m'attaquer et il m'a piqué mais tout le crâne, mais en 3 ou 4 secondes quoi. Je dois avoir une quinzaine de piqûres. Donc une, hein. Alors imagine si c'était tout le nid. Mais bon, pour l'instant ça va, ça me pique un peu moins là. Rien de méchant, mais bon. Ça doit... Heureusement que c'était qu'une. Hein. Alors je sais pas ce que c'est. Si c'est un ou une, un frelon ou... Je sais pas ce que c'est. C'est assez petit. Normalement, le frelon, c'est plus gros. Alors donc on va enquêter. On va aller voir. On vous dira ce que c'est exactement. On ira faire des recherches sur Internet. Allez, on continue. Là, on est dans la jungle. Ça vous fait rire? Ça va vous faire rire. Ah bah oui, là tu perds pas de temps, je te le dis. Hein. Bon, mais ça a l'air bien sympathique ce petit camping là. Bah ouais, je pense qu'on va bien. Filmer. C'est Ibiza. En plus, il nous a trouvé un emplacement là, bien sympathique, vous allez voir. Allez, on y va. Alors, oui, à gauche, c'est Ibiza. Hein. C'est Ibiza, c'est musique, piscine, DJ. Bar, DJ, tout. Maillot, piscine, DJ. Voilà. Bon, c'est 450 pesos la nuit, 350 plus les filles, 50 et 50. J'ai vu le bar. Hein. Le petit DJ et tout, à côté de la piscine. Vous voyez, c'est Fiesta. C'est Ibiza. Ibiza. Alors, on nous a trouvé un endroit. Voilà. Un emplacement bien sympathique, vous allez voir. Avec une belle vue. Alors, on va se foutre au bout là-bas. Voilà, dans le petit avancé là. Je te laisse sortir si tu veux. Ouais, je vais sortir. Ouais, c'est parti. Voilà. Bon, écoute. Ah, attends. Voilà. On va se mettre ici. C'est pas mal, hein. Au ponton. Bon allez, je m'éteins, je vais se placer. Bon mais écoutez, hein, on va être pas mal ici. Vous en pensez quoi les évadés? Allez, je vais me caler la remorque. M'ouvrir les tentes. Regardez la gueule de la rouge hockey là, vous allez bien le voir. Regardez-moi ça. Comment les deux travioles. Donc ça, celle-ci, la rouge hockey, je vais la mettre ici à droite. Là, comme ça, elle reviendra à l'aplomb. Ce pied, tant pis, je l'enlève parce que c'est là où je vais mettre la rouge hockey. J'en ai un autre là, donc j'en ai pas besoin de deux ici tant que j'ai une rouge hockey. Et puis ça, je le redresserai un peu plus tard. Je vais voir dès que j'aurai l'occasion. C'est pas urgent. C'est surtout la rouge hockey que je vais déplacer ici pour qu'elle soit d'aplomb. Bon, sinon, regardez. Voilà. Écoutez, ma foi.
Ça vous plaît les filles? Les douches, elles sont là-bas, à droite. Bon, du coup, je me suis vérifié aussi les batteries, parce que j'ai les batteries qui commencent à fatiguer. Alors, j'en avais deux en parallèle. Mais j'en ai enlevé une, parce que celle-ci, je l'ai testée, elle est morte. Celle-ci, par contre, elle est encore bonne. Donc, je vais garder celle-ci, même si elle fait que 75 ampères. Parce qu'à la base, j'en avais deux. Pour les nouveaux, j'en avais deux de 75 ampères en parallèle, donc ça me faisait 150 ampères. Bon, mais écoutez, je vais finir avec celle-ci. Celle-ci, elle marche toujours, puis après, je me la changerai plus tard, et là, je me prendrai une 200 ampères. Mais bon, celle-là, elle marche encore, alors autant la finir avec une. Ça ira, de toute façon, j'ai que le frigo. Ça m'alimente le frigo et les pompes. Bon, ça devrait tenir un peu. Même si c'est fait que 75 ampères, c'est vrai que j'ai moins de stockage en ampérage, mais bon, ça devrait le faire. On verra bien. Et puis l'autre à jeter. L'autre, je l'ai mise là-bas. Elle est foutue. Je pose ma bière. Regardez comment ça fait les évadés. Le ciel, on peut confondre le ciel et l'océan, regardez. On voit pas l'horizon, pratiquement pas. C'est incroyable, hein? Magnifique. Mais c'est dingue! Mais ça fait du bien d'avoir une bonne bière, hein? Regardez comment c'est lisse, lisse de chez lisse. Il n'y a pas de vagues, ou très très peu. Il y a le ciel et l'eau. Ouais, c'est incroyable. Non, caméscope, il a du mal à voir à l'horizon. C'est incroyable. Mais c'est normal parce que c'est tout uniforme, la couleur, et il ne doit pas faire la mise au point difficilement. Et oui, c'est normal. Il n'a pas de repère, c'est tellement... Tu vois, même lui, il est perdu, tu vois. Ouais. Mais c'est une flaque de pétrole, quoi, c'est... Hein? Ouais. Regarde-moi oui, ça, quoi. C'est un canard. C'est un canard. C'est le Truman Show, quoi. Ouais, c'est le Truman Show. C'est un mur, hein. En fait, c'est un mur tout peint, ça. En fait, là... En fait, à partir de là, il n'y a rien, c'est un mur, quoi, avion. Ah, mais ça fait ça, hein. Hein? Ouais, on voit rien. Là-bas, ouais, mais là-bas, on voit rien, quoi. Il n'y a rien. Regardez. C'est le paradis, il n'y a rien. J'espère. Même nos yeux, ils ont du mal. Attention. Je dézoome. Hop, et voilà. Incroyable. Alors les évadés, je vous montre là où on est exactement, on est juste ici, pas loin du Belize d'ailleurs, mais à côté du Belize, on est vraiment pas loin. Donc nous sommes dans un petit golfe ici, et si j'écarte, vous avez au-dessus le golfe du Mexique, et là nous sommes actuellement dans la mer des Caraïbes. Donc on est vraiment pas loin du Belize, de la frontière. Voilà Valou. Un caca, faut faire attention. Ah oui, un caca blanc. Bah oui, il Allez à la vôtre les évadés. Une petite TKT, mais cette fois-ci une TKT light. Mais elles sont pas mauvaises. Hein. Tu veux goûter? Ça va vraiment pas forte. Ouais, ça me bonne. Ça rafraîchit.
n'a pas pris les chips. Même lui, il a du mal à faire la mise au point. Là, par contre, on voit plus du tout l'horizon. Franchement, on voit plus du tout l'horizon. C'est incroyable. Ouais, c'est vrai. Même lui, il a du mal à faire une mise au point. Tu m'étonnes, regardez. Là, on voit le reflet des nuages en bas, mais on voit pas l'horizon. Pas du tout. C'est super beau. Oh, regardez. Oh, ouais, c'est ouf, hein. Je te fais une photo. Oh, avec l'oiseau, regardez. Ah ben là, il peut se mettre au ras de l'eau, hein. Et c'est plat. Waouh, c'est trop beau.